construire notre premier centre, comment dire, notre premier dispensaire, justement. Ça va être au Congo Kinshasa. Les centres hospitaliers Pain Quotidien a vu le jour à Maluku. Alors dans le centre hospitalier, quand les gens vont être opérés, malades, bah ils vont s'asseoir dessus. Donc ce vendredi 26 mars à 10h, donc on va inaugurer le centre hospitalier et on va commencer des consultations aux alentours de midi 13h. À l'hôpital Oyo. Dans cet hôpital. Toute personne malade qui vient ici, on va d'abord la soigner. Vous comprenez? On la soigne d'abord. Ensuite, on lui demande. On va lui demander, tu as de quoi payer? S'il n'a pas de quoi payer, on va lui demander, tu fais quoi? Ah, je vends de la chiffon. Comme ma maman à l'époque. Alors, est-ce que tu peux amener 5 chiffons? Oui. Amène ça. Prenons les 5 chiffons et tu rentres chez toi. Alléluia. Amen. Et avec ces 5 chiffons, nous allons ouvrir à côté. On va se battre pour acheter à côté. Pour acheter aussi de l'autre côté. Là en face, c'est à nous, on va acheter encore ailleurs. Et on va mettre un restaurant.
Alors les médecins auront des maisons là-bas, les infirmiers. On va construire les studios. Et avec ces scènes, je pense qu'on va nourrir les médecins, les infirmiers.